lundi 23 mai 2022. Gros bonjour et bonsoir pour toutes fanatiques amis TV La Kayo. C'est avec même plaisir nous rejoindre nous. Et pour journée lundi pour nous kembe ou informé sur ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Et bien jodi a là donc nous pral fort saisi tendez causer qui gagne en dans petit bout de vidéo ça. Sur question zam, sur question famille, sur question colon qui gagne dans pays d'Haïti, qui a crasé pays a qui a bail bandi zam, qui a bail et bien et ti jeune yo zam pour al faire zak malhonnête pour yo et puis yo même y a bwa kòb yo dans pays et kayton ton sam et l'autre des ti jeune sa yo même qui déjà te gen nan tête yo pour pas sortir un bon monde et bien mais qui résultat qui bay journée jodi a là. Et bien mesdames et messieurs dans vidéo ça nous pour al faire des déclarations ancien sénateur Jacques Sauveur Jean dit Jacquito et nous connaît qui sont artistes tout et c'est on est dans le temps qui te qu'on fait un pile monde crier avec belle musique belle texte. Et ben je dis à la monsieur Salagel dans question politique et nous parle fort en des déclarations tout ça a fait là qui parle fort saisir Haïti pas jamais délivré vraiment si 16 colons ça yo nous pas mettre au dehors dans pays ya, ou bien ba yo une leçon pour apprendre. Haïti a toujours gen gang, a toujours gen voleur, a toujours gen nèg nan politique qui yo même a travaillé avec bourgeois ça yo, avec nèg rouge cheveux si yo ça yo, qui yo même pas vle wè Haïti vraiment, mais c'est poche yo, c'est cob, yo préféré faire sous deux pays ya, au lieu que yo ta mette Haïti dans l'autre niveau. Et bien yo plutôt al passer vacances sur Saint-Domingue, yo plutôt al gaspiller cob yo dans l'autre pays, mais quand Haïti a vraiment, c'est bandi qui a fait la loi. Nous allons inviter au détail, n'a tourner. Ça te mérite ou baille plus d'explication. On dit nos adversaires. Ça so veut dire là, adversaires et population et haïtienne, dans la mesure où le notamment que ce soit des dirigeants ou bien des dirigeants, c'est-à-dire monde qui au pouvoir, des dirigeants et politiques ou bien et l'autre secteur, et ils ont dit insécurité à tous côtés. Ou même, ou vient fouer colon là-dedans, là. Soit vous dit par là. Oui, strictement colonial. Son stratégie strictement coloniale. La violence et l'insécurité sont stratégies strictement coloniales. Donc, on peut toujours trouver des commandeurs autour de tout ça pour concrétiser le rêve. Et même l'implication même de certains haïtiens là-dedans. Par exemple, en honnête, accepte Madame Bonhomme, c'est toujours bien ça. C'est toujours bien monde. Pour qui ça fait, je dis, subitement constat qui paraît en examen et qui commençait par poser des actions. C'est parce que ils ont timing que le respecter, ils ont ordre que le recevoir ZAM. Pas de ça, parce qu'on est de ZAM. Pas qu'on est grand chose, mais papa, nous des militaires. Et moi, même la police en pile, toujours suivre une situation, ça, c'est une activité est très proche, toujours très proche dans amis qui est le major agresseur qui toujours après expliquer ce que c'est que Hamas. Il y a un point essentiel dans ça. Tout le monde doit avoir un ZAM. Mais il y a l'heure pour le tirer. L'heure pour le tirer, il y a un monde qui dit joue. Et puis l'autre des joies, et puis on parle dans le deuxième mois qui dit feu. Et puis troisième point, on parle dans des armes dans la donc, ZAM n'a pour compte pas représenter aucun danger. Il te doit en amener n'importe moun. Mais cependant, vous pouvez attendre voir qu'il dit jour, feu, bon. Ça, c'est le ZAM n'a commencé à jouer. Et l'heure commencé à jouer, c'est l'heure sous ordre. Il y a un monde qui connaît exactement à qui fait que le balisier, tout qui sait que le balisier fait feu. Mais il y a trois étapes pour nous considérer nos ZAM. Il te met Kalachnikov, il te met bombe, il te met ZAM nucléaire. Tout pays qui a une grosse arme nucléaire, il n'y a pas tiré sans l'autre la pas recevoir. Donc, l'arme n'a pas plus gros danger. Alors, combiner l'arme avec Mouna, libérer l'autre là et poser action. Ça veut dire que si pas un esprit hein, des armes, esprit pour faire mal, là, des armes, l'arme n'a pas gros danger. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut tenir compte de celui qui donne, qui passe des ordres, parce qu'on attend des ordres pour exécuter. Les actions avec les armes. Et les colons sont là pour ça. Et ils trouvent déjà leurs soldats. Ils ont embauché Moun, Rina Zamio. Maintenant, il faut qu'on tenir compte de qui voit dans les tissus. Et puis voir ça. C'est l'autorité pour faire les armes navales. Donc, c'est ça. C'est bon bagage qui prend place. Son stratégie pour permettre qu'il atteigne l'objectif. Et ceci à des fins spécifiques. Qui ça a cherché, qui fait que c'est ça qu'il choisit comme option, la sécurité. Il n'y a pas prendre place.
pour qui ça c'est Jodia, l'aime du Jodia, c'est il y a quelques mois, justement ces individus peu recommandables et ou bien ces structures qui mettent des âmes dans mes démons peu recommandables, tout qui ça y a cherché. Il y a cherché un contrôle total de nous-mêmes comme nation, comme première nation nègre des temps modernes. Première nation des temps modernes. On a osé parler de liberté, on a osé cacher et l'empire de la colonisation. Donc il faut croire que ces gens-là, ils n'ont pas accepté. Et on parle juste pour beaucoup, il y a passé de stratégie en stratégie. Il faut qu'on aille loin pour comprendre ça. Qui ça qui t'a fait bonheur? Et qui ça qui t'a fait bonheur à un monde plus que joindre des mondes qui travaillent pour vous sans pas payer dans n'importe quelle condition? Et gardez bien pour vous, et si des mondes qui qu'on a suivi l'intervention des grands politiciens de nos jours, par exemple, le porte-parole du monde occidental, que vous considérez comme Emmanuel Macron, le président français, quand il est passé à la télé pour dire, écoutez donc, nous sommes en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale. Et il a fait une partie d'histoire pour dire tout ce qui prend place au XVIIe siècle avec la France, l'Europe, etc. Et puis, il mentionnait la propriété. La propriété, c'était quoi? C'était l'esclavage. C'est un bagage qui peut être que vous gagnez des mondes fait travail. Que n'importe qui doit exploiter des espaces de courage, de monde sans payer pour la propriété. Et il passait au 18e, du 17e au 18e, et il fait mention de l'Angleterre, et il fait aussi mention des États-Unis avec des reproches pointus, côté que expliquer que l'intervention américaine a fait très mal de partout, mais en tolérance entre eux, et ils étaient bien confortables, et jusqu'à ce que. Aujourd'hui, il y a certains autres pays qui commencent à voir le monde avec l'autre yeux. Et il a parlé de la Chine, il a parlé de l'Inde, il a parlé de la Russie, et a annoncé par la suite la fin de l'hégémonie occidentale. Donc, au monde qui va suivre la politique internationale, hein, et au monde qui va suivre ce qui a passé dans le monde aujourd'hui, hein, on parle de difficultés pour comprendre ce qui a passé Matissan, ce qui a passé la plaine. Mais cependant, il faut qu'on comprenne que Haïti a toujours un rôle de jouer. Le monde a bouleversé, le monde a connu des moments difficiles. C'est des rôles symboliques. Ça pourrait être le débat anti-blague. Je dis que Haïti a déclaré la guerre à l'Allemagne dans la première et deuxième guerre mondiale. Là, Hitler a cherché et qui a déclaré la guerre, lui, c'était pour être plus mis, il était sous Haïti qui fait le bateau. C'est pas pour ça, mais je vois que son blague qui veut dire pile bagaille. C'est pour expliquer que Haïti a toujours un rôle de jouer dans ce qui a passé. Aujourd'hui, à écouter Macron parler de la fin de l'hégémonie occidentale, et Macron, c'est le porte-parole de ce monde occidental qui est composé que de colons, l'association de ces colons, quel est leur objectif face à un pays comme Haïti, la première nation nette des temps modernes, arrivée de l'Afrique, retrouvez-nous dans la Caraïbe. Il y a tout ça pour comprendre le phénomène de la sécurité en Haïti. Et vous comprenez bien, ce n'est pas seulement des locaux qui ont agi en sous-main. Et nous allons parler de la France hein, tout à l'heure, hein, la France et Haïti. Mais tu as gagné des mains étrangères dans le chaos que d'abvivre, dans le chaos que le pays d'Haïti est plongé. C'est exact. Vous jouez de moi, bonne parole, mais vous résumez le moins, c'est la sécurité nous est arrivée des mains étrangères. Et automatiquement, quand vous parlez comme ça, vous parlez sous ISO, vous parlez sous barbecue, vous parlez sous la mort sans jour, mais vous parlez de l'ongle cible. Parce que vous êtes toujours là. Vous êtes toujours là. Gardez qui génération que vous avez. Moi, de la mort sans jour, qui l'âge. Il y a 29 ans. Moi, de ISO, qui l'âge, il y a 24 ans. Moi, de barbecue, qui l'âge, il y a 31 ans. Est-ce qu'on a un petit monde de 24 ans pour être responsable de ça qui planifiait depuis 1500, 1600? Donc c'est là qu'il faut voir les choses. C'est l'affaire d'une génération. C'est le défi à relever en tant que génération. Ordinairement, on joint des complices
parce que les colons, ils ont toujours des complices. Pour mettre ferme confiance, Madame Bonhomme, si on dit Ariel Henry qu'on y a là, et pour dire qu'on a besoin de 1000 premiers ministres, ou à même 50 000, quand il y a un qui campe derrière porte là, qui dit je veux être le prochain. Et pour faire quoi? La même chose qu'Ariel Henry est en train de faire. Ça veut dire que le problème n'est pas un problème de monde, qui quantité de monde, c'est quel est le rôle de la personne qui va occuper cette place et quel est son objectif, quelle est la démarche qu'il va entreprendre pour faire quoi? Parce qu'on a affaire avec un système. Et c'est ça qu'on peut le monde toujours dire, après des jours, le système, parler de système, quand il y a un monde qui vient à nous, il n'y a qu'à changer le système. Hein? Non, le système solaire qui introduit une seule fois. Si on a un système, nous, comme génération, on a introduit ce système pour là avec un objectif simple et clair. Mais cependant, on ne peut pas venir dans le système où on dit qu'on ne va pas changer. On va mourir même la journée, on va mourir même la journée, on va commencer des révolutions. Mais cependant, on va aboutir à jouer que le système n'a mangé parce que le système sont beaucoup plus haut que affaire au monde. Ce n'est pas au monde, ni au président, ni l'État, ni le gouvernement qui est capable de garantir que ou qu'à changer le système. Ces agences-là sont là pour être sûres que le système fonctionne parfaitement. Maintenant, comment introduire notre système et quelle génération qui doit introduire notre système, à quel fait, avec quel objectif, quelle doit être la démarche. Donc moi-même, par contre, pour que ça, si va être simple, ça, on prend une grosse tête. Ou du moins, bon, ordinairement, les plus grosses têtes, elles sont au service du système. Si tu regardes le fonctionnement du palais national aujourd'hui, un palais national sans président, mais avec secrétaire général de Guaza. Donc c'est le président à vie qui est. Quel président? Qui est-ce qui siège qui met au secrétaire général? C'est le Congo? C'est Ariel Henry? Qu'est-ce que dit la Constitution? Comment trouver le fonctionnement d'une institution comme la présidence sans le président pendant tout ce temps? Donc on voit qu'il y a des grosses têtes qui passent. Mais cependant, est-ce que nous-mêmes, dans le camp des Bossales, il n'y aura pas un Jacques Sauveur Jean, une Marie-Louise Bonhomme, quelqu'un d'autre pour faire la lumière avec la population? Écoutez donc, il faut quelque chose, il faut que la chose change à un certain moment de la durée. Jacques Sauveur Jean, vous dites que jeudi a metté et ou l'autre monde là nan, ou bien l'autre équipe n'a placé Ariel Henry et yo obligé bay et même résultat ou poser la question de l'autonomie et des dirigeants haïtiens là. Oui, bon, il n'y a pas de dirigeants haïtiens, Madame Bonhomme, je l'ai bien dit tantôt, il n'y a pas de dirigeants haïtiens, il y a l'autre de coloniser acquis à la cause des colons. Par contre, déjà, pour nous dire non langage plus clair, peut-être que Laurent Van Fini là-bas est devenu, parce qu'au fond, c'est des gens qui sont là au service de leur patron. Et qui est le patron? Ce sont les colons. Quel est l'objectif des colons? L'objectif des colons, qui ça qu'on colon? Depuis le lion colon, qui ça le dit? Quoi dans le dictionnaire? Les gens qui étaient pour checker, pour comprendre ça qu'on colon. Et c'est ça que fait. Il ne faut nous pas livrer tête nous à Mounsayo avec. Comme d'ailleurs, trop confiance, parce que c'est très difficile qu'on joigne un nayo qui pensait le contraire. Parce que envoyez au bar au job, on dit, mais qui job que ma part, mais qui engagement, ils ont même formé. C'est la tête qui formait en France. Hein. Le docteur Joseph Pierre lui sorti un livre là, ça me souhaite tout le monde pour aller lire, pour comprendre qui est-ce qui ça a été. Et il est le secrétaire général du palais national pour aller lire le livre du Berlin. C'est un homme qui est formé en France, oui. Sinon, il est venu le savoir. Moi-même, je fais un examen parce que je connais que le monde qui connaît courir le livre, pour ne pas courir pour moi. C'est le tête qui est formé. La modernisation du droit haïtien. Est-ce qu'on comprend? Un défi pour l'avenir. Non, que l'on dit mon affaire. Depuis son enfance, depuis l'enfance, vraiment, lui, non. Il passe de ça à ça, quand on est là. Ça veut dire que faut qu'on ait des références pour comprendre la situation. Donc, si lui-même livré, il fait choix de dire nous certaines vérités entre les lignes. Il n'y a pas de réclamation. Il va te dire beaucoup de livres là. Moi-même,